Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Monsieur le ministre, je voudrais appeler mon collègue qui vient de nous précéder, vous féliciter déjà pour le dépôt de ce projet de loi qui va certainement accélérer la modernisation de notre système de prévoyance sociale. Modernisation qui, d'ailleurs, était déjà sur une très bonne voie. Et je voudrais également, Monsieur le ministre, avant d'en arriver aux questions, vous féliciter très sincèrement pour les performances de votre département ministériel ces dernières années. Monsieur le ministre, votre département, depuis un certain temps, se trouve sous les feux de l'actualité du fait des multiples crises que nous vivons. Fort heureusement, on a pu éviter les explosions sociales, car à chaque fois vous avez tenu, vous avez su par votre omniprésence sur le terrain et dans les médias calmer le jeu et maintenir le dialogue social. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup de chevaux de bataille. Après avoir obtenu lentement mais sûrement l'aboutissement du dossier de l'harmonisation des âges de départ à la retraite, il y a d'autres, comme l'éradication du travail des enfants, promise pour 2025, dossiers qui sont en cours, et aussi la réglementation de l'économie informelle. C'est vrai qu'en commission, vous êtes revenu sur ces sujets. Et je voudrais savoir l'état d'avancement de ces dossiers. L'idée de revenir sur le SMIC, nous savons que vous êtes en négociation, mais avec la nouvelle qui est tombée la semaine dernière, l'augmentation des salaires des employés du secteur bancaire. Sénateur à Lyon, je voudrais vous tous remercier pour votre appréciation et vos félicitations pour nos performances. Et on a certes harmonisé l'âge de la retraite et vous êtes préoccupés par le travail des enfants. Le Cameroun a souscrit à des initiatives pour la lutte contre le travail des enfants et dans les conventions auxquelles nous avons souscrit et les accords qui ont été passés, il est question que nous puissions arriver à l'extermination du travail des enfants en 2025. Ce n'est plus loin. Le gouvernement a élaboré quelques programmes en relation avec d'autres ministères. Et nous y travaillons, nous y sommes à pied d'œuvre. Évidemment, à ne pas confondre avec, comme je l'ai dit en commission, avec ce travail des enfants qui est non rémunéré à la maison, qui relève en fait de notre culture, de l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Alors, hors zone CIPES, vous vous êtes interrogé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à négocier des accords bilatéraux. Au-delà de celui-ci, si vous l'approuvez, qui est donc un accord pour le plan
nos pays, en fait, il s'agit de voir qu'il y a peut-être, c'est une question qui nous a été posée, il y a quelques années, dans ces pays de cette zone, il n'y avait pas beaucoup de travailleurs migrants. Mais aujourd'hui, le problème est vraiment assez prononcé et de plus en plus, certains de ces travailleurs arrivent à l'âge de la retraite et doivent rentrer chez eux. Pour nos compatriotes, ils doivent rentrer au Cameroun. Alors, que deviendront les cotisations qu'ils ont faites dans les organismes locaux s'ils ne résident plus là-bas, s'ils veulent passer leur retraite au Cameroun? Tout dépend justement des pays et c'est cette harmonisation de la protection des travailleurs, des conditions qui protégeront au mieux les travailleurs que nous recherchons.